Hey! Et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau streaming. Alors, vraie question, comment allez-vous de 1? Et de 2, je sais, j'avais dit quelque chose, que je n'enchaînerai pas 2 jours de suite sur Zelda, mais il y a quelque chose qui fait que on va en faire ce soir. C'est qu'hier, j'ai vraiment bien aimé la session, parce qu'elle était vraiment chill. Et voilà. Mais du coup, je vais pas jouer énormément ce soir. Je pense que je vais faire. Hier, j'avais fait une session de 3 heures. Aujourd'hui, je pense que je vais faire 1 heure et demie, entre 1 heure et demie et 2 heures. Et après, je partirai sur, je pense, Mario World, parce que j'ai envie d'y jouer également. Et comme ça, bah, si je termine Mario World, ou du moins si j'avance assez, ça voudra dire qu'on pourra passer sur un nouveau jeu Mario. Mario 64, du coup. Donc voilà, je suis assez impatient à ce niveau-là. Et pourquoi Zelda? Oui, bah c'est juste que hier, concrètement, j'ai pas avancé, on va dire, dans le scénario. Même si j'ai bien avancé, j'ai fait quelques sanctuaires. Au niveau de la map, j'ai un peu avancé, je me suis baladé, j'ai découvert des trucs. Et notamment au niveau des souterrains, donc c'est plutôt bien. Me voici setup, nous sommes partis. Encore une fois, il y a d'énormes chances qu'à un moment j'ai un blue screen à cause de ma façon de record ma Switch. C'est pas ma faute, j'y peux rien. Bon, allez. Disons. C'est vrai que je m'étais arrêté ici. Au village Cocorico, du coup. Et notamment, j'avais établi une petite théorie. Que je vais redire maintenant. Parce que, ouais, du coup. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démarré. Là. Et. Enfin, au. Comment? Ici, c'est le château Dédale. Donc, c'était un labyrinthe. Où il y avait le labyrinthe haut et enfin sur la surface et dans le ciel. Et après, je suis parti à droite et bah, j'ai débloqué une tour, après deux tours, après trois tours. J'ai fait bon quelques sanctuaires sur le chemin et en l'air également. Et on a un petit peu regardé les souterrains et notamment on a débloqué ce petit plan. Il y a eu un petit plan qui nous donne un emplacement marqué, donc faudra aller le checker. Et j'ai découvert qu'il y avait l'équivalent des tours, mais dans les souterrains. Qui fait que, bah, en fait, dans les souterrains, on pourra voir. Tout simplement. Et à la fin du stream, du coup, on s'est arrêté au village Cocorico, et je pense qu'on va aller, on va aller ici déjà aujourd'hui. Ou sinon, je continue de me balader, ce qui est quelque chose que j'aimerais bien faire en vrai, si je fais du truc chill. Mais voilà, je suis arrivé du coup au village Cocorico pour terminer. Et il y a quelque chose, il y a une chose qu'on a découvert, c'est les dragons se baladent H24 dans la map et ils vont dans les souterrains. Et après j'ai vu sans faire exprès, bon, c'était pour la miniature que je cherchais un truc. Et j'ai vu que les dragons avaient un chemin vraiment prédéfini dans les souterrains. Donc normalement les dragons... Bon, ils font aller à peu près un cercle dans tous les souterrains, mais ils se baladent vraiment bien bien dans les souterrains. Donc si j'arrive à rechoper un dragon, ça peut être hyper intéressant d'aller dessus. Ne serait-ce que pour avoir des drops du dragon, qui je pense se revendront plutôt bien si je veux m'acheter des armures notamment. Je pense que ça peut valoir le coup par exemple au village des Gorons. D'acheter l'armure anti-chaleur, comme ça j'aurai anti-chaleur et anti-froid. Et du coup, on a terminé au village Cocorico et on a découvert un truc là-bas. C'est ça. C'est, je sais plus comment ça s'appelle, les vestiges en cercle, on va les appeler. Et que ça aurait un rapport avec Zelda. Et ma théorie, c'est. Qui est une théorie, mais bon, c'est. Je pense ça. On aura du coup, bon là on le voit pas autour de moi, mais on a le petit sage du vent qui nous suit. On aura, mais ça je le sais parce qu'on me l'a dit, mais de toute façon c'était sûr. On aura du coup les trois autres sages qui vont tous nous suivre. Et pourquoi là il y a cinq trucs? Bah parce que Zelda, c'est la sage du temps. Parce que Zelda, on l'avait vu là, quand on était parti des îles célestes, là du temple du temps. On a vu Zelda. Et on l'a vu avec ce truc-là. Avec ça, là. On l'a vu, Zelda. Et Zelda, pour moi, elle a fait un petit time travel.
Et elle va nous réparer. Et moi, ma théorie, du coup, c'est elle va nous réparer évidemment la Master Sword avec, j'imagine, celui qui a forgé la Master Sword. Enfin, à moins que ce soit. Bon, je sais pas si on a l'info, mais. J'imagine celui qui a forgé la Master Sword va la réparer. Et on va sauver Zelda un moment dans le jeu. Ah, ma caméra qui freeze. Mais la vraie question, c'est est-ce que ma Switch aussi? Non. Ah, mais c'est parce que j'ai une coupure de réseau. Eh bien, je vais. Putain, c'est. J'ai pas eu de coupure de réseau cette semaine, j'en ai pas eu beaucoup. En vrai, c'est bien. Hein. Bon, c'est un peu chiant d'en avoir maintenant, surtout un samedi soir, mais en vrai, ça va. Si c'est que maintenant que j'en ai. Bon, malheureusement, j'ai une coupure de réseau, donc bon, voilà. Hein. Sur le record, évidemment, vous entendez ce que je dis. À moins que, si j'ai un blue screen, je perds mon record. Et la VOD, ça sera du coup. La rediff Twitch. Sauf que là, la rediff Twitch, normalement, elle est en. Alors, soit ça fait un cut, soit ça fait un big freeze. Mais je sais pas du tout. Mais malheureusement, je suis obligé d'attendre. Ouais, non, là, c'est juste mon Wi-Fi a crash, hein, concrètement. Donc là, je... Attends, mais je peux lancer YouTube ? Mais... Quoi ? Mais attends, qu'est-ce qu'il y a... Attends, je vais essayer de me connecter sur une autre connexion. Ça peut m'aider. Je sais pas, sur mon ordi, je vais me connecter à un autre réseau. Bon, déjà, ça a coupé ma caméra, ça c'est normal. Ok, ma caméra est reconnectée. J'ai l'impression que ça se relance. Ah, ça a du mal. Non, 0 kbps, 1000, 3000, 4000. Ça a l'air d'être de retour, 1000. Ah, ça va recrash, ça veut dire si c'est pas stable. Après là je me suis peut-être mis sur mon réseau qui est hyper instable depuis une semaine et je ne sais pas pourquoi. Ouais, j'ai l'impression que là je me suis connecté sur le réseau instable. 5000, ah quoique, est-ce que ma caméra est fluide? Ma caméra est fluide, la connexion a l'air de se restabiliser. La rediffusion là je la vois. Ça a l'air de fonctionner, mais si ça recrache, bah c'est normal. Parce que Free est instable. De temps en temps Free ça marche bien, et de temps en temps Free va se dire... Non, je vais bugger beaucoup. Et actuellement, là, ça va faire une semaine où mon réseau sur mon téléphone, donc Free, bug énormément. Je suis vraiment, c'est la première fois depuis giga longtemps que je dois faire ça. Mais je capte mieux en Wi-Fi qu'en 4G. C'est pas normal. Et ma connexion chez moi aussi a du mal tout court. Où bah, j'ai des petits problèmes de connexion et c'est relou. Mais enfin bref, je vais reprendre là où j'en étais. Bon, je sais pas à partir de quand ça a bugué. Mais bref, tout ça pour dire que pour moi, la Master Sword, on la reverra quand on sauvera Zelda. Et j'imagine d'abord... Alors je sais pas comment ça va se passer dans le scénario, mais... Peut-être que... Mais il y en a deux de ça, je viens de voir. Je savais pas qu'il y en avait deux. Comment ça se fait ? Bon... Moi je pense que avec les trucs comme ça, on verra un moment Zelda. Elle va nous rendre la Master Sword, on va la sauver, on aura le vrai temple du temps, parce que ça c'est pas le vrai temple du temps, c'est pas possible. Et on aura accès à son pouvoir qui est, j'imagine, la Master Sword, qui aura un pouvoir particulier. Et voilà, on sait que dans tous les cas qu'il y a 5 sages. Parce que voilà, sur cette petite orbe, il y a 5 trucs. Mais il y a que. Bah là, dans la quête, il n'y en a que 4, quoi. Donc bon. Et bonsoir, Titi. Bienvenue sur ce streaming. Incroyable. Mais vraie question, comment vas-tu? Ça va? Bah, ça va très bien, merci. Oh, le petit enfant. Saleté. Putain, on peut pas les blesser. Bref, donc c'était ma théorie. Zelda, on la reverra. Et je pense pas qu'elle nous suivra comme un toutou comme les autres. Mais on reverra Zelda avant la fin du jeu, contrairement à Breath of the Wild. Et no spoil, hein, bien sûr, hein, on sait jamais. Et voilà, et on aura la Master Sword en même temps. Et moi, je veux bien la Master Sword parce que les armes qui se pètent, ça me saoule. Allez, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est les auras. Bah, du coup, j'avais dit que je voulais aller là-bas. Mais en vrai, j'aimerais bien avoir accès à la map. Ah, il y a un autre... Je reconnais ça. Est-ce qu'il n'y a pas un autre labyrinthe quelque part? J'en ai aucune idée.
Attends, je veux juste aller sur la tour pour voir où est-ce que se trouve la tour du domaine des auras. Ah, il y a une autre notif. Ah putain, d'accord. Ah, mais le stream a carrément crash pendant ma coupure de connexion. Et du coup, ça en a redémarré un carrément. Peut te spoiler ce que l'on a dit par rapport à le Master Sword. Message de la France, non. Non merci, ça serait très gentil de ta part. Pour le coup, Zelda, j'ai juste regardé les petits trucs présentation, on va dire, qu'on avait eu à l'époque. Mais tu vois, avant que le jeu sorte, je savais même pas qu'il y avait Ganondorf dans le jeu, par exemple. Donc, voilà. Je veux vraiment découvrir à 100% le jeu. Je veux vraiment y jouer à fond, par moi-même. Est-ce que j'étais déjà allé là? J'étais déjà allé ici. Oui. Donc voilà, ce serait très cool de ta part que tu me dises rien. Alors, où est la prochaine tour? La prochaine tour, elle est là. Aïe. Je peux pas aller tout droit, là. Non, j'ai pas de TP. Mais attends, genre, il n'y a pas de TP là-bas. Mais j'y suis déjà allé, non? Ah si, il y a un TP. Je me disais, c'est bizarre. Par spoiler, je veux te dire le niveau de durabilité de l'épée. Ah, ça oui, ça c'est pas du spoil. Enfin, j'imagine. Mais c'est quoi mon arme, là? Ah oui. Ah. Genre, les orages se déplacent. Incroyable. C'est vrai que j'ai ça. Attends, mais je vais utiliser ça. Alors, attends, juste. Où est la prochaine tour? Elle est là-bas. Eh ben... Je sais même plus ce qu'il y a ici. Il n'y a même pas de Korogu, il n'y a rien. Bon, allez. Ok. Let's go. Oh, là-bas, il doit y avoir quelque chose. C'est quoi ça? Oh non. Pas le dragon. Oh non, non, mais... Putain, c'est une blague, il y a des mobs qui se baladent dans les airs comme ça. Parce que une fois, j'ai vu... bon, je vais appeler ça une hydre à trois têtes. Ça se trouve, il y a un sage qui permet de lire ça, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Parce que ça, c'est pas la première fois que je vois ça, je sais pas du tout à quoi c'est ça. On m'a dit qu'elle se brisait assez vite, genre 16 coups. Elle se casse, on m'a dit. La Master Sword se casse. Ce serait pas très très gentil si c'était le cas. Ouais, putain, j'aimerais bien aller là-bas et j'ai pas envie d'y aller à la fois. Parce que je suis mauvais. Je peux pas battre les boss. j'ai déjà essayé hein, d'affronter un dragon comme ça, bon. C'est... Bah je me faisais éclater quoi. Bon alors je sais pas trop jusqu'où je pourrais aller. Bon clairement je pourrais pas la choper. Quoi, y a un dragon à côté de moi encore? J'entends toujours la musique des dragons, ça me rend fou. Ah y a une tour là-bas aussi. Putain en vrai j'ai le seum parce que je suis pas si loin hein. J'ai aucune bouffe d'endurance. Ah putain, quel dommage, ça se joue de tellement peu. Je peux aller à droite en vrai. Je sais pas où il y a le dragon que j'ai vu. En vrai, ça va, je suis pas loin de la tour. Je pense déjà dans un premier temps de choper ces petites épées, ça peut être grave cool. Elle perd de la vie, mais après elle se régénère. Elle s'épuise en puissance. Ok. Après, je me souviens plus trop de comment c'était dans Breath of the Wild, mais je crois que dans Breath of the Wild, c'était à peu près le même truc. Fruit d'eau. Ah, attends. Grenouille adhésio. Ah, ça peut être bien, ça. Attends, ça fait ce que je pense. Aide à s'accrocher aux parois mouillées par la pluie. Non, moi, ce qu'il me faudrait, c'est... parce que je sais, il y a un sanctuaire en bas des piafs. En bas du village des piafs, je crois, ou juste au-dessus. De toute façon, je les note. Ok, bon, c'est pas du tout...
Ok, c'est my bad, c'est totalement à droite. Où j'ai besoin d'un costume pour me mettre aux parois. Alors, pas mouillé, mais glacé du coup. Je sais pas si c'est la même armure que j'avais vue. C'était une espèce d'armure de grenouille. Faudrait que j'aille acheter ça à un moment. Ah, je reconnais ça, on va. Putain, on va pouvoir monter sur la planète. Putain, je vois un insecte là. Qui bouge autour de ma petite lumière. Oh, putain, c'est horrible. Ce matin, je me suis réveillé à cause d'un moustique. Sauf que spoiler alerte, j'étais parano. Il n'y avait pas de moustique, c'est juste moi où je crois que j'ai rêvé qu'un moustique était là. Et du coup, je me suis réveillé en pensant qu'il y avait un moustique, mais il n'y avait pas de moustique. Et ça m'a vraiment énervé parce que bah j'arrivais pas à dormir quand je me rendais compte que bah en fait il n'y avait pas de moustique. Parce que ça faisait vraiment genre un son. Un son horrible du moustique. Qui est trop chiant et que c'est pas rare que j'entende. En vrai, je m'en bats les couilles des moustiques. Hein. Enfin, c'est relou, tu vois. Mais j'ai mon ventilateur normalement en été. Sauf que là, je suis enrhumé. Donc je mets pas mon ventilateur. Du coup, j'ai hyper chaud. Mais le problème, c'est que les moustiques, quand il y en a, je les entends maintenant. Alors que normalement, je les entends pas en été. Mais attends, mais c'est quoi cette merde? C'est vraiment. Mais attends, mais cet insecte est. Je sais pas ce que c'est pas un moustique. C'est un cousin. C'est le cousin. On va l'éclater. Ou une araignée. Non, c'est un cousin. Oh, cassez les couilles. En vrai, le moustique, ça va parce que au moins, tu le vois. Alors que le moustique, tu le cherches. Bon, je sais pas où il est parti. Putain, c'est le bordel. J'ai plein de bouteilles d'eau par terre. Ah, vive la planète. Et en même temps, je veux boire des cristallines. Moi, je veux pas boire l'eau du robinet. Bon, je sais pas où est la. Je sais pas où est parti le cousin. Probablement en province, là où se trouvent tous mes cousins. Allez, menton. Tu as fait lesquels temples? J'ai fait le temple du vent. Le temple du temps. Même si je me doute bien qu'il y a un hic quand même, hein, parce que le temple du temps, bah. Je pense qu'il l'est que de nom. C'est bizarre en fait. Oh! Oh le follow! Incroyable! Eh bien, bienvenue sur cette chaîne! Et ouais, comme je l'ai dit. Au tout début, je sais pas si t'étais déjà là. Ça là. Pourquoi il y en a 5? Pourquoi il y a 5 trucs comme ça, c'est bizarre? Alors qu'il y a 4 sages en principe. Mais bon, Zelda est la sage du temps, extrêmement probablement. Mais je sais plus si dans le jeu on m'en a déjà parlé ou si c'est juste moi qui me suis dit. Bah Zelda c'est la. Ah. Oh non, j'aime pas quand il y a des trucs à faire. Mes branchies, Burg! Vous là, nageoire vive et eau fraîche, j'ai besoin de votre aide. De la vase m'est tombée dessus. Ah, c'est de la vase! Je croyais que c'était du pétrole! De la vase m'est tombée dessus, poids, il me faudrait de l'eau pour me nettoyer. On a de l'eau, nous? J'ai pas d'arme d'eau. Ça fait juste de la lumière. Si je fais ça. Avec des fruits d'eau. Ça serait rigolo quand même que les fruits d'eau, on nous les ait donnés et qu'ils servent exactement à faire ça. Ah, évidemment, je ne les trouve pas. Bon, fruits d'eau, c'est ça. Piu. Ah ah. Oui, il y a 5 sages, mais... 5 sages, mais je te laisse la surprise. Merci beaucoup, tu as compris ce que je demandais. Ouais, je sais pas trop dans combien de temps j'y serai. Je l'ai chouchou, d'eau, avec épée, je crois. Ah, ça marche. En vrai, c'est logique. Vous m'avez sauvé que vos nageoires restent toujours humides. Nos nageoires. Ah bon? Merci. J'ai honte que vous m'ayez retrouvé dans cet état. Moi, le capitaine de la garde du domaine Zora Burp. Après le cataclysme, une poisse gluante s'est mise à tomber du ciel, polluant les eaux du domaine Zora et de la région, sans que personne ne sache quoi faire. J'ai décidé de mener l'enquête de mon côté, pour essayer d'en savoir plus. Je ne m'attendais pas à ce que la vase m'attaque comme ça, blorp. Rien que d'y repenser, j'en ai les écailles qui frémissent. Oh, j'ai les branchies en capilotade. Si vous ne m'avez pas aspergé d'eau claire, je ne sais pas ce que je serais devenu.
Laisse-moi vous offrir cette lance Zora. En guise de remerciement, ce n'est pas grand-chose, mais je n'ai rien d'autre. Elle est corrodée comme toutes nos armes le sont depuis le cataclysme, mais pas complètement inutilisable. Hein ? Vous avez un sacré paquet d'armes sur vous, dites-moi. On dirait que vous ne pouvez pas emporter davantage. Comment ça ? Comment ça, j'ai pas assez de place ? Le métal spécial qui compose la propriété d'infliger plus de cas quand il est mouillé. Marrant ça. Mais la vraie question. Ouais, en vrai, je vais pas m'embêter. Hein. Paf! La cinématique qu'on ne peut pas skip. Il y avait une tour qui était pas très loin, j'aimerais bien la faire. Putain, j'ai envie de faire des sanctuaires, ça me rend fou. Ah, tiens, là, il y a... Ah, mais attends, il y avait... Oh, la planète! Oh, des sanctuaires partout, j'ai envie de les faire. Ah, je reconnais, là, en dessous, c'est... C'est le domaine Zora, je reconnais. La mer de l'anel. Putain, ça a l'air tout petit. Uf. Bon, c'est quoi cette planète ? Dragon. J'entends le dragon. Putain, mais elle tourne de façon très chiante. Il doit y avoir un trou pour en bas, voilà. Ah bah, il y a un sanctuaire dedans. Je suis un peu déçu que ce soit que ça. Ça veut dire qu'on voit les grosses boules dans les airs, mais en fait c'est juste un sanctuaire. Parce que c'est pas la seule, je crois. Il doit en avoir d'autres. Alors, je ne sais pas où. Les engins volants, les sanctuaires Ziruta Gumati. Ok. Sanctuaire vo... Putain, j'ai un pote, il m'a parlé de ça, je n'ai jamais vu ça. Et c'est mon meilleur ami aussi, il m'en avait parlé. Tu sais, au tout début du jeu, là... c'est où? Là. Quand tu prends cette merde de sanctuaire, alors je sais pas c'est lequel, ça doit être lui. Quand tu prends cette merde de sanctuaire, et que là tu dois refaire tout le chemin. Mais en fait, tu pouvais utiliser ça. Mais moi j'ai tout fait à pied parce que je savais pas que ça existait ça. Et bah ça dégoûte. Est-ce qu'il y aurait... Ah oui, j'allais dire moyen de ne pas respecter le truc. Parce que je crois que c'est en fonction de là où tu te mets. Mais du coup, j'ai jamais utilisé ça. Silver Pro, toi qui m'a vu souffrir. Oui. Je reconnais, j'ai raté. Non, y a pas. Oh, des skateboards. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que je suis censé faire de ça? Je suis censé les récupérer, peut-être. On va faire un pont de skateboard. On aura bien exploré la première partie au moins. Je t'avoue que... C'était pas ma priorité. Je vais faire ça. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Que j'imagine faut qu'on récupère ça d'une façon ou d'une autre. Do do do.
on va refaire le grand pont de cailloux. Le grand pont d'obsidienne. Non même. Mais pourquoi? Ça sert à quoi ça? Bon déjà... Ah peut-être pour prendre de l'élan. C'est quoi la blague? Un animalier, il prend son élan, je sais plus. Attends, mais il est vachement haut. Voilà. Toi, tu viens. Bon, qu'est-ce qu'on fait de lui maintenant ? Bah, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire en vrai. Déjà ça, il y en a trop. Je pense que je vais juste le mettre sur 1. Ça me semble bien. Bon, le coffre, je m'en fous. Hein. Je sais pas trop. Bah du coup ça je vais le mettre sur le piaf mais... Je sais pas. Je le sens pas. Ouais. T'inquiète. Non mais on essaye, on essaye. Je vois pas trop en fait ce qu'on est censé faire. Genre à part ça je sais pas ce que je peux faire quoi. En plus là je suis même pas droit. Bon, on va essayer. Ça marche! Il vole! Ah. Ah finalement mon roller ne servait à rien. Ah oui bah oui. Oh ça a l'air de fonctionner. C'est trop bien par contre. Hein. C'est un truc que j'adore dans ce jeu, hein, mais j'ai l'impression que à chaque fois toutes les énigmes c'est en rapport avec les véhicules. Je te dirais c'est un petit peu dommage. Parce que j'ai l'impression qu'on fait. Bah alors, pas les mêmes choses, mais j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu la même façon de réfléchir. Je sais pas, mais c'est trop cool en vrai. Ça me fait penser un petit peu à si vous avez joué à Minecraft, un petit peu de modé, vous avez vu peut-être du The Dream ou que sais-je à l'époque. Archimède Airships, je crois, je sais plus c'est quoi le nom exactement. Où on avait bah, des blocs... on va appeler ça des blocs d'hélium quoi, qui permettent de d'alléger des objets, tu vois, et ça permettait de faire des bateaux volants notamment. Et enfin des bateaux volants, des, on va dire des petites machines volantes, bah, tu pouvais avoir des voiles aussi, ou je sais plus comment ça marchait. Et franchement, moi, le premier truc qui m'est venu à l'esprit en voyant ça, bah c'est ça. Ouais, d'accord. Ah, mais du coup, je peux voler. I can fly. Je sais pas quoi faire. Là-bas, il y a un sanctuaire. Je veux faire des sanctuaires. Ah, il y a un mob, il me cherche, là. Ah oui. Bon, c'est pas grave. On va avancer. On va prendre toi. Il est où, le ventilateur? Il est là. On a vu que ça marchait. Il y a un coffre en bas.
Ici? Ah oui. Ah oui. Comment... Comment on pourra faire? Ça va être long, hein. Est-ce que ça... Non, ça fait pas tourner ça. J'aurais pas dû, hein. Ça va être long, hein. Surtout que j'ai juste fait un tour. Voilà, j'ai... Point de départ. Bon, on va prendre le grand oiseau. Ah, quoique, je vais peut-être pouvoir me re-TP. Je veux déjà aller en dessous pour voir ce qu'il y a. Y'a rien du tout! Pourquoi y'a rien? J'ai une petite idée de comment on pourrait faire pour avoir ce coffre. Je sais pas si c'est la méthode. Ça serait de prendre un oiseau, de se balader, pour essayer de se mettre en dessous, d'utiliser le pouvoir d'infiltration là, et de rentrer par en dessous comme ça. Je sais pas si ça marche. Tu fais tourner à entre deux, je crois. Ah, attends. Je suis en train de me... Ah merde, putain. Attends, je l'ai pas stoppé là. Que là, je suis en train de me dire en vrai, mais ici, là. Bah voilà. Oui, bah c'est ça que tu disais, je crois. Bravo. Oh. Avec plaisir. Ah, moi, je veux bien ces objets. Ouais, donc je pense que ça se trouve que dans le ciel, ça. Les trucs un petit peu relous à faire. Quoique le premier, je l'ai trouvé dans un endroit vraiment random. Hein. Bon allez, moi je vais prendre le grand oiseau, le grand condor. Chercher les cités d'or. Putain, c'est un oiseau ou un serpent? On dirait une tête de serpent. Bon alors, on va où? Mais attends. Mais qu'est-ce qui m'empêche avec Monsieur Oiseau d'aller d'aller haut dans le ciel? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller dans les cieux? Je peux même aller chercher la tour là-bas. Je peux aller chercher les tours relous. Où est-ce que je pourrais aller? Je sais pas, qu'est-ce qui serait le plus chiant à aller prendre? Parce que cette tour-là, je pense que j'y vais à pied. Il y avait... Ouais, je crois que c'est là-bas. Tout là-bas, là. Où ça avait l'air un peu relou. J'avais pas pensé à l'énergie. J'avais oublié qu'il y avait de l'énergie dans ce jeu. Finalement, ça sert d'augmenter l'énergie, je pense. Allez, à bord du grand condor. Tu... Recherche... Les cités d'or. Alors, ça part très mal déjà. Alors, je suis en vie, c'est le plus important. Bon, on va là-bas. Hein. C'est moi qui décide. On plane pas très vite, hein. Attends, il me rattrape? Oh. Ben, c'était pas prévu. Mais ça, c'est trop bien, tu vois, en vrai. Mais je me dis, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à aller là où je suis en train d'aller, tu vois? J'aurais vraiment préféré aller là-bas, mais je peux pas, quoi. J'ai trop peur qu'il me tire dessus. Bon, attends, en vrai, on va accélérer. Oh, est-ce que ça m'accélère vraiment? Ça me stabilise. Oh, putain, le nombre de sanctuaires là. Il y en a trois. Oh là. Oh,
Oh putain, mais c'est là où j'étais avant. C'est là où il y a le dragon. Bon, big chilling, hein. Attends, me dis pas que c'est... Oh non. Ça c'est de la merde, tu vois. J'aime pas qu'ils aient fait ça. Que les trucs se... Oh le dragon. Que les trucs se pètent, ça, je trouve que c'est... C'est chiant d'avoir fait ça. Ça aurait été vraiment trop cool de pouvoir voyager sur une map entière. Ça aurait été fort, d'accord, mais... Putain, qu'est-ce que ça aurait été bien. Bah du coup, obligé de m'arrêter ici. J'ai pas vu le nom du sanctuaire, du coup. Le chemin couché, le sanctuaire d'Omizwino. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Il n'y a pas grand-chose. Ah. J'aime pas utiliser ce pouvoir. Je le trouve triste. Je le trouve tellement moins cool que les autres. Va peut-être éviter d'utiliser cette arme. C'est pas grave. Hein. Oh waouh! Bon, en vrai, je m'en fous un petit peu. Où est la fin? Ah. Il y a un coffre là. Ok, on peut pas faire comme je le pensais. Bah, j'aimerais te dire, je vais juste récupérer le coffre. Hein. Par contre, je vois pas comment on peut monter en... Ah mais si, mais ça on peut l'activer avec des arcs, ça. Le pouvoir va bien te servir, je te le dis, même si tu aimes pas. Ok. Non mais, après je pense que je suis pas le seul dans ce cas. Hein. Le pouvoir est un peu clacos. Ah, j'avais pas prévu. Comment je fais, moi, maintenant? Ah! Non! Mais c'est relou. Comment je fais, moi, pour prendre ce coffre? Peut-être tirer à l'arc. C'est possible. Parce que en plus, je peux aller en dessous là, j'ai vu. Mais il y a une échelle! Mais c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Alors, casse ce coffre. Mais. Attends. Qu'est-ce qui m'empêche de. Bah oui. Qu'est-ce que. Mais c'est vrai qu'il a une porte de merde! Donc, je sais ce qu'il faut faire du coup. Pute. Voilà. Pam param pam pam. Je te dirais, le pouvoir est bien et fort en soi, mais je le trouve moins intéressant que les autres. Et surtout, la portée est nulle, tu vois. Alors que le rembobinage du temps, je l'ai appris au dernier stream, mais ça a une portée de malade, ce truc. Alors que tu compares à la portée de mon machin, là... Enfin, c'est pas énorme, quoi. Après, oui, ça serait vraiment trop fort, tu vois. Ça serait vraiment très très fort, mais... Pff, ça le rend moins intéressant, quoi. Déjà, de base, je le trouve pas très intéressant, ce pouvoir. C'est un peu, je te dirais, comme l'amalgame. C'est pas giga intéressant, mais c'est cool. C'est très très cool, ça permet des possibilités, même si c'est vraiment pas le... Enfin, tu vas rarement l'utiliser, quoi. Pas te casser, toi. Besoin de flèches. Oh non! Non! Pas lui!
Non, j'en ai déjà battu un, je veux pas en rebattre un autre. Oh non, un fantôme de Ganon m'a suffi. Est-ce qu'il y avait un autre? Oui, là-bas. Ça se trouve, il y a un truc où tu bats tous les fantômes de Ganon et tu obtiens quelque chose. Ah, il y a un sanctuaire parce que... Haha, il y a un truc de cheval. Le truc à tête de cheval. C'est vrai que j'ai ce pouvoir. Ah non, le fantôme de Ganon, parce que j'en ai déjà combattu un. Parce que j'ai battu cet ennemi là avec les mains chiantes là. J'en ai déjà battu un. Derrière, ça a fait spawner un boss fantôme Ganon. Alors, j'aimerais bien, hein, mais le problème c'est que j'ai pas d'armes. La dernière fois j'avais un arc très puissant, bah là j'en ai plus d'arc très puissant. Donc c'est compliqué. Armes et feuilles Korogu, c'est vrai que les feuilles Korogu existent. Si tu veux, il y a une arme qui est pas mal. Un peu compliqué à voir. Ah, sanctuaire disciple mal ancestral. Attends, est-ce qu'ils disent ça à chaque fois ou... Combat des armées. C'est quoi ça? C'est un tank? Bah, j'aimerais dire, moi j'ai pas envie de me faire chier. Dans un premier temps, c'est déjà d'utiliser ça. Paf! 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 Haha! Et voilà, j'ai une arme. Oh putain. Elle fait 150. Ça fait beaucoup ça. On avait pas de flèche. Non, on se fout. Mais est-ce que je peux utiliser les mini-tanks? Parce que maintenant que j'ai une arme, je peux. Attends, je peux même protéger mon mini-tank. Je peux me faire un mur protecteur. Oh. Ah mais il y a des flèches là, j'avais pas eu. En vrai mon arme je vais la mélanger avec le tank hein. Ah. Bon attends, 100% ça le rendra. 100% mon épée sera plus puissante comme ça. Je suis très déçu. Putain, ça m'a vraiment rien changé quoi. Bon, on verra bien. Alors, c'est pas ce que je voulais faire à la base. Ah, voilà, je préfère. Putain, j'avais peur que ça fasse du vent, mais du coup, c'est bien. Bah voilà, on a un peigne maintenant. Ah oui, mais non, en fait, je voulais gagner. Bon, tant pis. Allez, à l'attaque. Bon, comment je fais, moi? Il me voit pas, là, on est d'accord? Et putain, il y en a tellement. Mais c'est une bonne idée, par contre. Oups. Ça fait quoi, ça? Non. Quoi? Attends, il me tire dessus. Mais ça sert à quoi ça? Mais ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi? Mais on peut pas lui... Mais comment? Putain, mais ils sont où mes pics? J'ai besoin de pics. Aïe! Bon, en vrai, autant crever. Mais je croyais que c'était un tank qui tirait. Il tire pas. Ah, protège-moi! Voilà, ça c'est mon arme.
C'était ça. Oh là. Ah bah je suis mort là. Voilà, paf. Ah ah. Comment vous faites pour me taper? Voilà. Une fois j'ai battu des mobs comme ça, j'étais content. Bon, je sais, ça va être long. Mais ça... En fait, le problème, c'est que j'arrive pas à les taper. Oh le bâtard! Oh mais non, mais attends, lui, il a bâton et bâton. Il en a deux. En fait, faut que j'essaye de les taper, mais j'y arrive pas. Ok, en vrai, ça m'arrange. Je me dis, est-ce que je devrais pas... Merde. Voilà, faire ça. Genre pour les taper. Oh putain. Merde. Ça va être hyper dur. Hein. Bon, je suis désolé, hein, ça va être giga long, je pense. En fait, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop et je sais pas. Je pense que le mini tank il permet de faire quelque chose, mais je sais pas comment l'utiliser. Oh. Penche-le en avant. Mais là, j'aimerais bien faire ce que je viens de faire, mais c'est compliqué. Bon, tant pis. Non, désolé, c'était long. Le problème, c'est que je sais pas comment me battre, en fait. Parce que moi, je fuis toujours les combats. dès que je peux ne pas me battre, je le fais. Non, le système de combat du jeu, je n'aime pas du tout, en fait. Enfin, le système d'esquive et tout, je n'y arrive pas. Vraiment, j'ai trop de mal avec ça. Attends, on va essayer. Ouais, c'est vrai que je peux pas l'activer lui. Bon, qu'est-ce que je peux faire avec toi? Bah ouais, mais c'est tout. Tu vois, ça sert à rien. Ah, il auto-focus les mobs. Donc ça veut dire, ouais, il m'en faudrait plusieurs. Faire un bouclier de pique. Mais je comprends pas comment il marche. Bon, écoute, on va essayer de faire ça. Et après, oui, je me ferai un bouclier de pique au pire. Un mur de pique. J'ai un shield. Ouais. Mais comment ça je fusionne un bouclier avec un mur de pique? Enfin, si c'est ça que tu me demandes, bah à la limite peut-être ce que je peux essayer. Je sais pas si ça vaut le coup d'essayer. Je vais redémarrer là, ça sert à rien. Parce que eux là, je les ai fusionnés, il fallait pas.
Bon, à la limite, je vais un peu me balader pour voir si je peux pas trop. Oh! Oh, ça, c'est mes amis. Ça, c'est mon ami. Putain. Lui, il faut que je m'en débarrasse. Hein. Lui, c'est le plus dangereux. Hein. Oh putain. Ouais, je vais un peu courir. Ah, mais ils se battent contre lui. Ils me suivent encore, eux. Ah putain, il y en a un en haut. Ah putain, c'est un archer. Faut que je me débarrasse de l'archer, là. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Salope! Putain! Bah tu vois, j'arrive vraiment pas au système de combat. Putain, il me trichote, c'est chaud! Ils me font giga mal, mais par contre... Putain, c'est relou, hein, par contre. Hein. J'imagine... Il va être dur, ce donjon, hein, pour le coup. Waouh, je vais... Ils sont faciles, les donjons! C'est du combat! C'est un donjon de combat, et il y a autre chose à savoir que je sais pas. Ouais, mais en plus j'ai même pas besoin de mon truc au début. Bon, déjà j'ai fait de la merde au début. Bon, du coup la strat... je pense que ça va être d'essayer de se débarrasser du plus de golems possible avec ça. On utilise ça, t'as pas d'armure, y'a rien. J'imagine qu'il y a quelque chose en vrai, mais on a rien pour l'instant. Mais je pense, quelque chose qui peut être intéressant, c'est d'essayer de récupérer lui là, avec le machin qui était à côté. Attends, je vais me prendre d'autres armes. Ils m'ont vu là? Ok, là normalement ça devrait en occuper. Ah non, ils veulent quand même ma mort. Hein. Putain, ça servit à rien. Ah, je suis mort là. Ah, nique sa mère. Quoi? Ah, mais ça, tu vois, je sais même pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a des golems qui me suivent? Ah, le cousin, putain, il est de retour. Parce que j'aimerais vraiment utiliser ce truc, mais je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une batterie, je crois. C'est juste une batterie. C'est dangereux. C'est très dangereux pour moi. Les dégâts de ouf. Merde, putain. Bon, attends, je vais juste buter ce cousin de... Et où? C'est mis sur moi, ça m'a surpris. Je vais faire du vent. Voilà, saleté. Ils sont chiants, ces insectes. Hein. Eh, il est encore en vie, hein. Il bouge encore. Hein. Saleté. Voilà, à la poubelle. Eh, par contre, l'arme de... L'ADF que j'ai, l'arme de fou. Alors, si je m'attendais à ce que ce soit un laser...
Mais il m'a surpris. Franchement, les moustiques, c'est des petits cons. Ça me fait pas peur, un cousin quoi, mais juste, il y a un truc qui est arrivé dans mon champ de vision et qui m'a touché, ça m'a surpris. Le truc en haut, si tu veux savoir ce que c'est, faut l'activer. Ouais, mais je pense que c'est un truc qui va envoyer genre des boules de feu. Enfin, j'imagine. Oh putain, mais attends, j'allais dire en sortant du donjon, il faudrait que je fusionne mes armes avec ça, mais non, du coup, vu que j'imagine, je les récupérerai pas. Ok. Ah si, ça les occupe là-bas. Hein. Bon, franchement, je vais pas bouger plus que ça parce que j'ai... Bâtard. Alors, toi, je vais te désactiver parce que j'ai trop peur que tu me tues. Bon, par contre, on prend la grande portée. Ah. Hop. Oh. Oh merde. Oh merde. Oh. Oh. Non. Bon. Ça serait bien qu'ils perdent leurs armes. Bon, je suis obligé de courir comme un con. Ah ouais, non, ça est... Ça auto-vise. Bon, je vais faire le tour. J'ai trop peur que le laser me one-shot. Hein. Oh. Oh putain. Il se bat avec quelqu'un, lui? Oh putain. Ok. Ah, par contre, ça me saoule, hein. Je suis mort déjà presque. Mais attends. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais je suis trop con, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Bah oui. Bah là, c'est fini, hein. Je tire pas dessus là. Ah si. Est-ce que c'est le dernier? Je sais pas s'il y en a d'autres. Oh putain. Ah mais oui, t'as raison. Mais oui, ouais, non, t'as raison, j'aurais dû les amalgamer. Parce que regarde, là, je prends mon bâton. Et je l'amalgame. Ah ouais. Ah, il galère un peu, lui. Ah, quoique. J'ai trop peur qu'il me tire dessus, lui. Je sais pas combien il en reste, des ennemis. J'ai giga peur qu'il me bute. Hein. Bon, après, les probas qui me touchent quand même, elles sont faibles, mais le problème, c'est que là, c'est un one shot. Je vais aller à un endroit où il peut pas me toucher. Attends, je vais voir si je peux pas le désactiver. Ok. Ok, let's go. Tu peux à niveau disposer de ton équipement. Est-ce que je vais pouvoir amalgamer mes objets? Oh. Oh, oui. Oh, ça m'est bien. Alors, c'est trop... Calme. Oh, oui. Oh, ça me met giga bien. Alors toi, j'ai très envie. Alors, en vrai, non, c'est peut-être pas la meilleure des armes. J'ai bien envie de faire ça, quand même.
pour voir. Oh, trop bien! Bon, ça augmente de pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire le lance-flamme. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'un lance-flamme? Est-ce que j'ai pas envie d'une boule à pique? C'est rigolo, les boules à pique. Et après, ouais, avec ça, je peux faire une nouvelle arme de feu. C'est quoi ça? Oh, j'ai pas d'arme électrique. Oh, trop bien. Mais c'est la meilleure récompense pour ce donjon. Hein. C'est une giga bonne récompense de donjon. Hein. Bah, let's go. Merci du well played. Franchement, le donjon était cool. Mais bon, c'est un peu de la chatte, j'ai l'impression. Amalgame le canon avec le bouclier. Putain, c'est vrai qu'on peut amalgamer les boucliers. Le problème, c'est qu'on peut plus slider dessus après. Le canon, c'était quoi déjà? C'était le truc du dessus, je crois. Oh, je sais plus où il est. Que ça c'est quoi? C'est aussi un truc électrique? Ouais, c'est un peu OZEF ça. Une lance électrique. Bon, déjà en vrai je me dis... Ça sert à rien. Je vais l'amalgamer avec le truc de glace. Autant avoir des armes qui ont de vrais effets. Oui, pour le shield, je sais. Mais le problème, c'est que je ne sais pas où il s'est. Je sais pas où il est parti. Ouais, en vrai, je suis un peu deg. Bon, c'est pas grave. Hein. À la limite, je peux me faire un bouclier et shield. Et un... on prend lequel? J'irais plutôt celui-ci parce que je suis 50, je pense que je vais le garder. Quoi? Attends, à quel moment il a été amalgamé lui? Ah oui, putain, c'est vrai que c'est pas le même bouton. On va faire ça, c'est déjà bien. Ça se trouve, en plus, on va avoir une bonne arme, là. Non, c'est très cool qu'ils aient fait ça, parce que, ouais, si on pouvait faire ce donjon et on récupérait rien... Ouais, il était cool. J'ai bien aimé. Ah. Ça me paraît plutôt bien, ça, comme arme. Bon, allez, vas-y. Vu les récompenses, c'est que c'était pas censé être un donjon simple. C'est vrai que tu l'avais fusionné avec un bâton. Ah merde! Bah rip! Tant pis! Pouette, pouette et pouette! Oh, je peux avoir un cœur! Le donjon était cool. Allez, la tour maintenant. J'en ai fait 32 des sanctuaires. Je sais pas du tout il y en a combien. Même dans Breath of the Wild, je ne sais pas il y en avait combien. J'ai peut-être switch d'arme. C'est quoi ça? Ah, ça fait un petit coup de portée en plus. Bah je vais prendre ça. Hein. Moi je préfère vraiment me battre avec les lances. Et les épées. Ce cheval est bleu si je ne me trompe pas. Ou vert même. C'est un cheval zombie. Mais monsieur, vous avez une couleur bizarre. N'êtes pas normal. La tour tire. Alors, est-ce qu'il y aura un truc particulier? Probablement. La fluide de clarté. Oh, le dragon.
Ouais, bon, malheureusement, j'ai pas d'armure anti, anti-chaud. Attends, c'est un noir ça ou un bleu? Ouh, c'est un noir. Ouah, son arme, elle doit être forte. Hein, si c'est un noir. Bon, évidemment, il y aura une quête avec ça. Imagine. Bonsoir. Ah mais attends, on se serait pas vu à une autre tour de reconnaissance, tous les deux? Ah bon? Je me suis vraiment dépêché pour arriver ici. Bon, je me suis vraiment dépêché pour arriver ici. Mais je vois que je suis pas le seul. T'es venu à un tour de reconnaissance, monsieur? Bon, je m'excuse, mais... J'arrive pas à parler, est-ce que c'est mon problème? Et bonsoir, Dayfiz. Mais oui, ça fait longtemps. Bah ça va très bien, merci. Mais la vraie question, c'est comment toi, ça va? Ce monstre volant est parti avec le terminal de la tour de reconnaissance. Satané... Je sais pas ce que c'est. On aura vraiment tout vu. En même temps, il n'est pas son premier à coup de serre. J'arrive pas à parler. Mais là, je vois vraiment pas quoi faire. Ouais, moi non plus. C'était... dur. Bon, c'est pas one shot. C'est quoi mon arme? Ouais, non, c'est juste ça, pourtant. L'œil de Kakuda. Putain, Kakuda, ça fait penser à Kwakubé. Ça m'énerve déjà. J'aime pas entendre ça. Surtout que ça n'a pas d'origine. Enfin, ça veut rien dire, il y a même pas de blague. C'est juste des gens ont commencé à dire ça et... Bizarre. Du coup, tu vois l'arme que je t'ai dit qui faisait 151 de dégâts, c'est un trident. Ah bah, let's go. Ça, je passais juste dire coucou. Oh... Ah, bah, bonjour. Ah, le terminal. Tu l'as repris au monstre? Oui. Merci, tu m'enlèves une de ces épines du pied. En plus, ce truc est tellement lourd, ça m'arrange que tu l'aies porté. Je vais pas te mentir, je crois que c'est au-dessus de mes portes porter un truc pareil. Alors du coup, monsieur, si ça t'embête pas, tu peux poser le terminal là-bas? Mais un terminal, c'est sur un ordinateur pour faire des commandes? Alors, je voulais pas te parler à la base... Non, non, bah oui, bah en même temps tu es à côté, comment je fais moi? Bon, pour moi l'un des plus gros défauts du jeu, ça va être eux qui vont nous suivre, c'est pas pratique à utiliser. C'est insupportable. C'est pas pratique à utiliser. Surtout qu'il y a des boutons qui sont probablement pas utilisés. Voilà, cette fois-ci c'est bien vissé. Le monstre qui arrivera à le piquer, ben il est pas encore sorti de l'œuf. J'aurais jamais pu le réparer sans toi. Je te suis vraiment hyper reconnaissant. Oh, d'accord. Hello Glouglou. Et j'ai une notif Discord. Ok. Ah, ça m'a débloqué la zone en haut. Et si je faisais un autre labyrinthe? Ça me semble être le bon moment. L'arme, c'est une lance à écailles radieuse, avec une corne affilée de linelle d'argent avec le pouvoir de sien. Oh, d'accord. Bizarre. Bon, je peux aller où, moi? Là. Oh non, mais il y a un boss. J'aime pas ce boss.
Attends, là c'est là où j'étais avant. Non, c'est une autre boule. Allons vers l'autre boule. Oh putain, non. Oh, ça oh non, ça passera pas de rien. Je crois. Bon, lui déjà, je l'ai pas. Comment vas-tu, Lilian ? Ça va très bien, merci. Mais la vraie question, Naël, c'est comment toi ça va ? Bon bah, ça passe pas. Bah, je vais mourir. Tant pis. Ma vie était courte, mais agréable. Putain, sa gueule. C'est quoi cet endroit ? Je me souviens plus de ce que c'est cet endroit. Bon. Ça s'appelle comment ? Je me souviens de cet endroit, mais je n'ai aucun putain de souvenir de ce que c'est. La planète a une armure spéciale, mais faut trouver laquelle. D'accord. Bon, sinon, Naël, comment vas-tu ? Vraie question. Parce que CMT45UT Valilian, j'imagine que c'est comment ça va. Enfin, comment... J'en sais rien. Pourquoi je survis en arrière ? Pour prendre le TP. Je pense ce soir, je vais juste faire des sanctuaires et me balader, hein, je vais rien faire de plus. Je continuerai vraiment l'histoire la prochaine fois. Non mais, attends, je vais essayer de retourner là-bas parce que c'est fou que j'ai pas la distance quand même. Ouais, non, je l'ai pas. C'est un truc de fou. Bon, est-ce qu'on a un sanctuaire simple d'accès ? Proche. Pareil, il n'y en a pas là-bas, c'est bizarre. Bon, joyeux et bonne nuit. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé, c'est un plaisir de t'avoir. Et peut-être à une prochaine. Le sanctuaire est vraiment à côté, quoi. Ouais, et après, là-bas, il y a... Il y en a un qui est plutôt facile d'accès. Donc on pourrait aller le faire. La sanctuaire Sinata Nikalka. Comment ça, Nikalka ? Tout de suite les insinuations. Le... Oh non. Putain, non, pas un sanctuaire de combat. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup avant dans Breath of the Wild, et là, je crois que c'est la première fois que j'en ai un. Un sanctuaire tuto. S'accroupir. Quoi comme arme ? Épée rouillée. J'ai mieux, moi. C'est vrai que les attaques surprises existent, hein. Et c'est fort, hein. Je savais même pas c'était quoi le bouton. J'ai vu c'était quoi le bouton. Alors, par contre, si tu pouvais ne pas... Il va redire les dialogues à chaque fois, ça va être long. Enfin, il y a un problème. Le mec se retourne instantanément.
Je n'ai pas envie de faire ce donjon. Je sais pas. C'est soit faut faire des sauts pour atterrir pile devant lui, mais le mais le fait de devoir se retaper ce dialogue de merde à chaque fois. Merde. C'est très relou. Enfin, surtout que c'est long de faire le tour, quoi. Oh putain. Bravo! À peine j'arrive, j'entends des mais. J'ai l'impression que ça se donne à fond ou que ça fait des élevages de moutons. Eh bien, aucun des deux! Attends, quoi? Attends, quoi? Faut. Là, c'est genre le level 2 ou. Putain, mais il se déplace trop. Tourne pas, tourne pas, tourne pas. Je vais m'énerver. C'est un donjon de merde, ça. On recommence depuis le point de départ. Je vais me carrer, je vais me barrer. Hein. C'est un donjon de merde. Ça, typiquement, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas faire dans le jeu. Est-ce que tu te tapes les dialogues? Je n'ai pas envie. Ah non, ok, on recommence pas du début. Ah ouais, non, sinon ça m'aurait vraiment énervé. Enfin, ça m'a énervé. Mais le problème, c'est que je ne comprends pas. C'est pour ça que je ne le faisais jamais dans Breath of the Wild, parce que c'est mal branlé, ça. Enfin, je comprends pas pourquoi il sait que je suis là. Parce que là, le fait de marcher comme ça et le fait de sauter, ça fait autant de bruit. Parce que l'ennemi t'a remarqué, mais l'ennemi est trop proche surtout. Enfin, trop loin. On peut pas lui tirer à l'arc par derrière, c'est très bien. Je pense que je vais attendre qu'il vienne là. Hein. Pas un pouvoir qui m'aide. Je vais attendre qu'il vienne juste ici et puis voilà. Hein. J'aime pas du tout ce genre de donjon pour le coup. Enfin, les donjons un peu tuto comme ça, ils sont nuls. Surtout que c'est juste ça le donjon. Enfin, il n'y a rien d'autre, quoi. Bah oui, connard, bien sûr. Putain de merde. Oh, ça m'énerve, je les déteste. C'est. Oh, ça, c'est de la merde. C'est juste pour te faire chier. Ça ne sert à rien. Oh, ça sert à rien, ça. Surtout que je l'utilise pas. Un joueur lambda n'utilise jamais les attaques par surprise. Putain, tu peux même pas aller vite. Tu peux même pas aller vite. J'allais m'énerver. Hein. J'allais vraiment m'énerver. Hein. Attends, j'attends la rediff pour voir. Ok. Tu peux à présent pénétrer au cœur du son. Ouais, donc ça veut dire que c'est fini. Ouah, j'allais vraiment m'énerver. Putain, en plus c'est des armes de merde. En plus c'est un donjon de merde, quoi. Enfin, c'est un donjon tuto, mais. Ouais, il m'a. Ouf. Putain, ça me tilte rapidement. Mais c'est parce que. C'est bien, ça existe, mais voilà, en fait, j'étais en mode, je vais peut-être revenir dans ce sanctuaire, mais si j'ai un truc silencieux, un truc discrétion, voilà. Ah non, c'est... Ouf. Ouh, le pic de colère, là. Du coup, si j'avance encore un peu, j'ai un autre sanctuaire, je crois. Ouais, là-bas. Après, je serais chaud d'aller un peu dans les profondeurs pour voir s'il y a moyen de choper une autre... Ah.
Bon, tant pis, on va l'utiliser jusqu'au bout. Hein. C'était pas du tout ce donjon que j'étais en train de viser, je suis en train de me dire. C'est pas là que j'allais à la base. C'était où que j'allais? Je sais même pas. Parce que j'ai l'impression que j'ai besoin d'un bateau pour y aller. J'ai quoi d'autre comme... comme shield? Ah. C'est pas ouf. Ah, j'aurais peut-être dû mettre mon lance-flamme sur... sur le shield à 50 là. Bah tant pis. Ah, c'est un peu chiant. Bah après les shields je les joue pas trop donc c'est pas trop grave. Ah mais là je pense que j'aurai pas d'endurance pour y aller. Ah mais si c'est l'endroit comme ça. C'est l'endroit qui tourne. Oh, putain je me souviens de cet endroit. Ah mais y a pas une pieuvre ou un truc comme ça. Je me souviens que cet endroit m'avait embêté dans Breath of the Wild. Ça ne passe pas du tout à la nage, je crois. C'est quoi ça? Oh la blague. Si ça passe, plus ça passe large. C'est juste ce C'est juste lui là, je suis pas sûr de pouvoir le combattre. Je vais peut-être courir, hein. Ou nager. Oh mais lui existe! J'espère qu'il me verra pas à cette distance. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite save. Ouais, maintenant je peux te combattre, toi. Ah, il a l'air vénère, hein. Protégé surtout. Ah ouais. Bon attends, mais si je peux pas le taper, je fais comment? Il me faut une arme lourde. Il me faut une arme à deux mains. Bon, ah, vas-y, ça va bientôt se casser. Ouais, mais est-ce que je pourrais... Bah oui. Peut-être une arme vent. Je n'ai pas d'épée à deux mains. Ça va pas marcher. Ouais, j'en sais rien. Et je peux pas le brûler non plus. J'ai plus de batterie. Ouais, je peux pas passer par l'eau. Putain, mais je suis sûr il est même pas dangereux. Ouais, c'est vrai. Je vais reprendre cette arme. Bon, je vais courir. Hein. Je peux rien faire de toute façon. Parce que passer par l'eau, c'est chaud. Ah, mais putain, il y a un caméléon. Oh. Oh là là, mais je suis tellement dans la merde. Ouais, on va prendre le foudroyant. Hein. Parce que lui, il va me voir, il va me focus. Ah putain, il était là-bas, le sanctuaire. Bon, j'irai le faire après. Il m'a pas... Putain, s'il m'a vu. Oh merde. Ouais, parce qu'il se déplace trop vite. Ah, s'il m'a... Mais il veut ma mort ou... Ils vont se battre entre eux? Pas le but. Oula. J'arrive pas à tirer. Ok. Oh! 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 Oh putain. Je suis mort. Je vais jamais vivre. Je vais jamais survivre. Ok.
Bon, déjà, j'ai réussi à me débarrasser d'un lézard. Me dis pas que je suis en train d'aller dans le mauvais sens. Ah. Ouais, mais est-ce que je peux passer par là? Je vais essayer. Ah, putain. Oh. Ok, me faire toucher, ça me redonne de la vitesse. Ah non. Attends, là, j'ai l'impression qu'il y a un petit endroit plat. Pas grave. Je fais très peu de dégâts, c'est très très bien. Yes. Ok. Y a pas de lézard qui me tape. C'est peut-être parce qu'il tape mon shield que je prends si peu de dégâts. Mais tu vois, c'est ça le problème. Je ne peux pas me battre. Tous les mobs me battent. Par contre, je sais pas comment je suis censé battre les bocobles en armure comme ça. Bon, au moins, on a le sanctuaire. On a des nouveaux champis d'ailleurs. Ah, bah champi silencieux. C'est marrant, on parlait de ça tout à l'heure. Bah, même là-bas, il y a un autre sanctuaire encore. Le Gemimika. Gemimika. J'ai pas de blague. Gemimika quelque part. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'ai foutu dans l'eau, enfin. La force de rotation. La force de rotation, mais je connais moi ça. Oh putain, on va enfin utiliser de l'électricité. Oh, ça va être la première fois. Ça va être la première fois dans le jeu qu'on fera ça. Problème de perspective, moi. Moi j'aime bien ces donjons. Ah oui, bah non. Faut faire de ça. je sais même pas ce qu'on est censé faire. Bon, je vais juste me débarrasser de ça. On va tous les prendre. Je sais pas, je me dis peut-être qu'avoir du fang et du feu, ça rendra le vent plus fort, mais. Déjà, on va l'éteindre, lui. Bah oui! Bah oui! Et finalement. Faut tous les allumer. J'avais pas vu que c'était des bougies. Ouh. Ah, c'est récolore. Ouais, alors, en vrai. Ouais, c'est peut-être mieux que je le mette genre au-dessus, comme ça. C'est sympa. Et c'est déjà fini. Bon bah tant pis pour le coffre. Encore une fois, je trouve ça dommage. Y a même pas d'énigme. Enfin, si, mais non.
C'est juste, oui, le coffre. Je sais pas comment on est censé le récupérer, mais c'est tout. Mis à part ça, le donjon est simple. Enfin, il y a littéralement une énigme, et bah c'est le donjon. Bon, du coup, on va là, et je sais pas où est-ce que je dois aller exactement, mais il y a deux donjons simples d'accès à partir de celui-ci. Et je pense qu'on fera ces deux donjons avant de m'arrêter et passer sur Super Mario World. Parce que j'avais envie d'y jouer. Et bon, Zelda, j'avais dit au début que j'avais pas envie d'y jouer 20 ans non plus. Oh, le dragon. Et du coup, je pense au prochain stream, j'irai avancer le scénario chez les Gorons. Alors, est-ce que c'était là-bas que je voulais aller? Mais où finir? On peut tuer des chevaux? J'imagine. Ça se mange le cheval, hein. Ok, je pensais qu'il y aurait un corbeau. Enfin, c'est sûr qu'il y en a un là. Pas les chevaux. Bah, ça se mange un cheval. Regarde Findus. C'est de la viande de cheval, Findus, non? C'est vrai qu'il y a les chevaux squelettes. Il y avait un mec qui était en mode ah, je veux voir un cheval squelette et tout. Bon, en fait, c'est giga loin. Je pensais pas que le sanctuaire que je visais là était si loin. Ça se trouve, je vise pas le bon. Et celui sur lequel je pensais aller, bah, finalement. Je crois que si, c'était celui-ci. Hein. Oh, le vendor. Regardez ce qu'il propose en vrai. Kiki, non, pas de flèche. Mais il vend rien. Et en plus c'est cher. Une flèche en bois. Putain, 6 rubis la flèche. Bon attends, on va voir ça se vend combien le dragon. Oh. Ça 150. Et ça 30. Ça me fait 300 hein, quand même. Hein. Ça je pense que les écailles je vais les garder. Par contre ça, non, clairement, ça sert à rien. C'est quoi ça? Ah. Putain, ça sent cher. Putain, même les fragments d'étoiles, ça sent hyper cher. Mais les fragments d'étoiles, pareil, je pense que c'est quelque chose, faut que je les garde au cas où. Mais ça, je pense que c'est pas rien. Au pire, c'est facile à récolter. Bon, on sait que ça fait de l'argent facile, ces trucs. En vrai, les dragons, faut aller les faire, hein, c'est de l'argent simple. Le relais de l'Est d'Akala. Quoi, ça c'est des fruits d'eau? Oui. Hop. Bon. Blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla, blablabla. Oh merde, c'était une quête importante. Fallait pas que je la skip. Mais elle, c'est pas elle qui dit, qui parle des peintures là sur le sol? Le grand fossile, j'en ai aucune idée. Bon, faudra que je fasse les quêtes hein, de toute façon dans le 100%. Enfin, j'imagine. Enfin, je les ferai. La sanctuaire Jyoti Iyu. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Le nom des sanctuaires. Même dans le 1. Hein. Attaque sautée. C'est vrai que je l'utilise jamais. La périlleuse extraction. C'est quoi ça? C'est de l'électricité encore? Ouais. Oh. Mais trop bien! Mais c'est une trop bonne idée d'avoir fait ça!
J'avais pas compris. C'est une giga bonne idée. Bon, par contre, je n'ai aucune idée de... Je sais ce qu'il faut faire. Par contre... Ouais, donc du coup, faut retirer genre les trucs comme ça. Alors ça, c'est une giga bonne idée de temple. Je me dis, il y a une solution rigolote, c'est de faire une espèce d'escalier pour atteindre la boule et la récupérer par soi-même. Ouais, bah là, je peux prendre lui. Madame la plateforme, monsieur le kebabier. Ah si, elle revient. Il s'agit d'anagramme de nom de développeur du jeu. Trop cool. Bon, j'imagine il y a un coffre dedans aussi. Ok, sympa, bah merci d'avoir regardé. Bah, j'ai bien aimé ce sanctuaire. C'était cool, bien pensé. Eh bah, il était court. Mais moi j'aime bien les sanctuaires courts. Bon, après, quand ils sont giga courts, non, c'est pas cool. C'est moins cool. Après, je préfère ce genre de sanctuaire que les sanctuaires de merde qu'on a eu. Surtout que ça sera probablement pas le seul. Il y en aura d'autres. Parce que souvent, il y avait des sanctuaires à thème comme ça, où il y avait un peu la revanche. Et je suis pas fan, pour le coup, de ce qu'on a fait avant. À la limite, des sanctuaires de combat, ça me dérange pas, mais le truc là de par surprise... Parce qu'en fait, c'est très rare de pouvoir prendre des ennemis par surprise, parce qu'ils se retournent instantanément. En fait, tu peux faire ça que si t'as une arme... Si t'as une armure, ou des potions de silence sur toi... Je vais aller me moucher, je pense. Juste après. Et aller aux toilettes. Je pense que c'est très fort si t'as ça sur toi. Parce que tu peux prendre les ennemis par derrière, tranquillement, sans être accroupi ou quoi. Mais là, bah tu peux pas. Parce qu'ils se retournent instantanément et t'as rien contre. C'est hyper relou. Du coup... Il est là-bas. Ouais, donc c'est... Wow, ça me fait vraiment gagner du temps de passer par là. Donc on fait le prochain sanctuaire, après on saute dans le trou. Et après, bah, je pense que je vais me mettre en mode en face des Gorons pour me savoir que je voulais aller là-bas. Même si je pense que je m'en souviendrai. Et après, bah, juste une toute petite pause et on repart. Alors par contre, je sais pas où est le donjon d'ici. On va monter. Je me souviens, on n'aura pas trop avancé aujourd'hui, mais ça aurait été chill. Big chilling, de toute façon, le jeu, hein, c'est de l'explo, c'est tu t'amuses, et puis voilà.
J'ai pas vu de Korogu aujourd'hui quand même. Hein. Je suis en train de me dire. Parce qu'il y en a 900 à la base. Il y en a beaucoup normalement. Il n'y en a pas vu beaucoup. Ah. J'ai vu un truc bleu, alors c'était peut-être quelque chose du ciel. Ouais. Est-ce que j'ai vraiment un intérêt à... Oh putain, attends, il est là-bas le sanctuaire que je voyais? Il est giga loin. Il était pas plus proche. Putain, de là-bas, je regardais le sanctuaire qui est là. Oh, quel enfer. C'est tellement loin. C'est tellement plus loin que ce que je pensais. Ouais, j'ai pas de sanctuaire en haut. En vrai, on va profiter pour regarder ce qu'il y a ici. Hein. J'en ai aucune idée. J'imagine le sanctuaire. Je vais aller faire le sanctuaire quand même avant. Pour avoir au moins le TP. Parce que le sanctuaire, il a été mis bah, juste à côté d'un truc intéressant. Mais ça, si ça se trouve, ça avait commencé à avoir... Enfin, ça avait été créé. On avait participé à son élaboration dans Breath of the Wild. Et là, genre, c'est devenu un petit village qui s'est un peu développé. J'imagine. N'empêche, là, j'ai hyper chaud. Et c'est très frustrant. Parce que je suis enrhumé. Et que je pense que là, ça va pas s'arrêter ce week-end. Même si j'arrivais à la fin de mon rhume. Aïe, 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 misère. Je suis jamais malade, hein. Par contre le rhume. Et depuis le Covid, je suis très souvent enrhumé. On va dire depuis la reprise IRL de la vie. Depuis le Covid, je suis très souvent enrhumé. Et ça, c'est très chiant. C'est à cause du vaccin. Il me rend enrhumé plus souvent. Ouf! Non, j'en sais rien. Ce serait marrant que ce soit le cas quand même. Oh, oh non. Oh non. Oh non. Oh non, j'ai pas envie de finir par un sanctuaire comme ça. Oh putain. Bon après, désarmé, désarmé. Oh non, ça va se jouer à l'esquive. Oh non, pas déjà. Bon bah, j'ai le titre du stream. On me dés... à poil. Les donjons à poil, je pense. Comment... Oh non, me dis pas qu'il faut les jouer en mode par derrière. Mais attends, mon pouvoir fait du bruit? Mais c'est de la merde. Je suis très déçu. Bah. Mais attends, mais mon arme fait giga mal. Ok, let's go. Mais c'est trop marrant. Alors.
Mais il va me tuer, hein, on est d'accord. Bon, en vrai, il y a des coups très très lents, donc. Ok. Ça va être dur. Hein. Ok, on va faire un tour. Mais c'est un donjon fun, ça c'est cool. Moi je dis oui. Ça c'était pas prévu. Ah putain. Mais comment je fais moi? Oh il bute ses mates. Faut que je lui retire son arme, hein. Non, dépêche. Putain. Bon, je vais crever. Tant pis, je préfère crever. Bon, faut trouver la manière de faire ce donjon safe. Putain, j'avais même pas vu qu'il me tirait dessus, lui. Putain, mais je comprends pas pourquoi on nous donne une façon de battre les ennemis qui ne sert à rien. En fait, le problème, c'est qu'il y en a, ils sont trop tanky. Genre, le premier, je l'ai one shot, et après, j'en ai buté aucun. Donc, c'est encore une fois, il y a un truc à savoir. Est-ce qu'il faudrait pas... Ah, si, je pense savoir. Ouais, bon. Si j'ai envie de tenter quelque chose, et je pense que c'est ça. En fait, à chaque fois, faudra amalgamer des objets pour rendre plus puissant notre truc. Bon, c'est peut-être pas ça. Après, ça peut. Hein. Ça peut être ça. Hein. Genre là. J'ai envie de tester la puissance du truc déjà sur lui. Ah non, ça doit pas être ça. Bon, attends, je vais essayer de me débarrasser de lui. Putain. Putain, il m'a touché. Bon, en vrai, il fait pas tant de dégâts, hein. Tu veux pas perdre ton arme, toi? Ok. Oh putain. Oh, let's go. Attends, on va éviter d'utiliser mes trucs. Pas de flèche. Ok, bon, déjà Kalmos là. Ok, Kalmos, je peux pas genre sauvegarder ici d'ailleurs. Ah. Oh putain, je suis désolé, j'étais dans mon délire. Eh bien le bonsoir les Val TV, c'est Burkro, vous m'avez manqué, je viens de finir mon event Minecraft, c'était dingue, mais la vraie question c'est comment vous allez? Bah ça va très bien, merci, mais la vraie question c'est... Bah non. Mon ex m'a quitté par message comme une salope, mais en vrai je suis super bien. Eh bien, content pour toi.
J'ai pas une arme boule de pique. Bah, en vrai. Yata! On est d'accord, il peut pas me toucher là. Je viens de me baiser. Je viens de me baiser. Je viens de me baiser. Putain, je suis dégoûté. Ouais, parce que là j'ai perdu de la vie. Ça fait très très mal. Bon, je vais refaire une save. Ce qui est un peu dommage dans ce donjon, c'est qu'on peut pas se soigner. J'ai une question. C'est moi qui passe plus ou toi qui stream moins? J'ai pas trop stream cette semaine, ouais, j'étais un peu occupé. Mais là oui, je vais reprendre à partir de la semaine pro, je pense. J'aimerais bien aller au-dessus. Oh. Oh. Oui. Alors, pourquoi? Je vois pas trop l'intérêt pour moi de faire ça. Ok. Alors, ça me met giga bien. Bon, on va save. Ah non, il y a 200... Waouh, putain. Bon, le seul problème, c'est que j'ai plus de vie, quoi. Ok. Bon, là, il y a de quoi s'amuser. Bon, c'est un peu dommage que j'ai pas de quoi m'amalgamer avec plus. C'est quoi ça? Alors, on va allumer un peu les armes pour voir. C'est l'autofocus, ça. C'est le truc qui tape automatiquement. Ouais, mais ça sert un peu à rien, en vrai. Ça, c'est le lance-flamme, on s'en fout un peu. Moi, je veux le laser. Alors, toi, ça part. Qu'est-ce qu'on a après? Des flèches. Merde, j'ai dû écraser quelque chose ici. Ça, c'est le truc. Le truc électrique, j'en ai vraiment besoin. Genre, c'est fort. C'est juste hyper fort, j'en ai besoin. Et ça, c'est encore un truc qui tourne, mais je vois pas à quoi ça sert. Pour moi, on peut pas l'utiliser là. Bon bah maintenant qu'on est setup, je vais regarder un petit peu on a combien d'ennemis à buter. J'espère que la sauvegarde marche dans le donjon. Alors là on en a 1, 2... Ok. Oh putain les bâtards ils peuvent me toucher à travers. Ah ouais non ça c'est dégueulasse. Ok. Mais je suis trop con. Bon, c'est pas grave. En espérant que l'autre me tire pas par derrière. Oh putain. Ok. Ok, let's go. Putain, j'avais peur qu'il me tire dessus. Je sais pas si c'est le dernier, lui. En vrai, je vais faire une save. Bon, c'est un peu dommage parce que j'ai perdu mon véhicule. Putain, je me tape avec la seule arme qui sert à rien.
Ouais, je vais éviter de me battre avec l'autre là. Oh putain. Ah c'est bon? Ah c'est à cause de ce truc là. Ok. Tu peux à nouveau disposer de ton équipement. J'ai envie de récupérer un canon. Bah le bouclier canon là on va le faire hein. Bon, j'ai juste un peu peur de m'approcher. Attends. Déjà, on va l'éteindre. Bah, très marrant. Trop cool. Ça, c'est des donjons vraiment trop trop cool à faire. Du coup. Bah, du coup. Je l'avais dit. Mais c'est génial. Au niveau de mes armes... Ouais, je peux peut-être faire un truc avec ça. Mais... Je sais pas. Je sais pas avec quoi je pourrais le faire. Peut-être un truc d'eau. J'ai rien qui... Ah et du coup ça me fait le marteau en vrai. Ça me fait un marteau d'eau donc non en vrai c'est bien. Ok. En vrai elles sont cool mes armes. Ah bah oui bah là. Mais c'est bien du coup ça me fait un marteau maintenant. Oh. Ah, et j'ai la place de l'avoir. Ok. Let's go. C'est vrai que les baguettes existent dans ce jeu. Et bah parfait. Ça nous en fait 8. Je vais me prendre... Alors est-ce que je me prends 2 cœurs ou est-ce que je commence à taper dans l'endurance? Je pense que c'est bien de taper dans... Full cœur pour l'instant. Et dès qu'on commence la deuxième ligne de cœur, je taperai dans l'endurance. Bah du coup, j'avais dit, après, je veux aller checker ça. J'avais dit que je m'arrêtais à minuit à la base, non? Sur Zelda, je voulais jouer 1h30. Bon, je veux juste checker ce qu'il y a là-bas. Après, je veux checker le Big Trou. Et après, on passera sur Mario World. Et tu as dit, c'est quoi ce véhicule? Mais c'est trop bien. Mais très marrant, tu vois. La village de zéro. Oh. Minuit? Encore 23h33 devant nous. Putain, Link est surpris alors que ça doit être la 10e fois qu'il récupère un cœur. Il y a des chances que là, on tape dans la deuxième ligne. Hein. Putain, toujours pas. Mais une ligne, ça fait combien de cœurs? J'en ai combien, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est long. Oh, ça, je reconnais, ça. Oh, je reconnais ça. Bon, à tous les coups, je peux pas le récupérer comme ça. Ok. Bon, je m'en fous un peu du dialogue.
Bon, on sait, ça, ce sera pour un sanctuaire. En vrai, je vais le noter. Que ici, il y a un sanctuaire. Et moi, du coup, le big trou. Hop. Et juste, je fais ça. Et après. Mario! Bon, je sais pas si je finirai Mario World ce soir. Mais déjà, on va. On va avancer. Parce que moi, Mario World, j'aime vraiment le jeu. Et j'aimerais le faire à 100%, si possible. Voilà, il n'y a pas de suite à ma phrase. Hein, c'est... Alors le problème toujours quand tu sautes dans le trou, c'est que tu sais pas... C'était pas prévu. Je sais même pas ce que j'affronte. C'est une espèce de salamandre. Bah, je vais me barrer, j'ai pas envie de me battre. Putain, mais j'arrive dans un trou, y'a un boss qui m'attaque, mais c'est... Je suis encore là? Ouais, c'est une espèce d'inox. Merde, putain, c'est vrai que je peux plus. Il y a beaucoup de cœurs avant d'atteindre le max. Franchement, j'en ai aucune idée. Hein. Bon, alors est-ce que ça me débloque une grosse partie? Ça me paraît plutôt bien. Ouais, ça va. Y'a quoi là-bas? Franchement, j'aime bien l'environnement. Ah, est-ce que je peux voir le boss du coup? Je te dis combien? J'ai regardé vite fait. Franchement, ouais, vas-y. Hein. Il y en a peut-être genre 32 en tout. De faire des lignes de 16. 40. Ah putain, c'est des lignes de 20! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ouais, ça tape pas très fort. Ouais, vas-y. Ça donne du sonium en plus. Est-ce qu'il y a un corgo? Non. Ah, là-bas, il y a une autre graine. Elle est peut-être un peu loin quand même. J'arrive pas à m'en rendre compte. En vrai, est-ce que j'essaierais pas de me faire le boss batracien là? Ça risque de me coûter un petit peu cher en flèche, mais bon. Ouais, comme ça on termine sur sur un truc un peu cool. Bon, on sait c'est une espèce d'inox hein. Je vais me battre avec ça hein, pour taper plus fort. Et mon arc. Arc du roi démon. Ouais, je pense que je vais plutôt me battre avec un bel arc hein, pour essayer de taper fort. Vas-y, petite save, et on est parti. Ce serait bien que je m'achète des vraies armures aussi. Ok. Bah, je suis mort là. Il va me lâcher les trucs. Il a l'air assez simple à battre. Alors. J'arrive pas à toucher son putain d'œil.
Wario. Ils m'ont dit qu'un truc allait se casser, c'est quoi? Ah non, rien du tout. Oh merde, mais je me débarrasse de ma bouffe qui peut me servir pour plus tard. Oh tant pis. Je n'arrive pas à toucher son œil, ça me rend fou. Oh putain. Ah putain. Est-ce que ça irait pas plus vite avec une arme à deux mains? Est-ce que je peux? Ah ouais mais bro, j'étais bloqué dans les airs. Putain, j'ai plus de bouffe, faudra que j'en fasse la prochaine fois. J'arrive pas à me battre, encore une fois, c'est le même truc. Hein. Tu es où? Je me casse les couilles, j'arrive pas à me défendre. Faut juste que je touche son putain d'œil, mais j'y arrive pas. Oh, fais chier. Ok, let's go. Pourquoi ils me disent de taper là alors qu'on peut pas? Ah. Bon, je save. Là, suffit que je le mette KO une fois et c'est bon. Putain, par contre, ça me casse les couilles parce que là, il est mort, quoi. Ok. Ah, c'est bon? Bah ouais, mais c'est un boss, c'est normal qu'il fasse autant de cœur. Wouah, 24. Excuse. Ok, bon, au moins ça c'est fait. Bon, en plus ça me servait à rien de me battre. Bon allez, sur ce, hop. Putain, le sanctuaire le plus proche c'est lui. Putain, je suis loin. Je suis giga loin. Ah, j'ai peut-être un sanctuaire dans les heures. Il y a peut-être un sanctuaire dans les heures. J'espère que dans les profondeurs il n'y a pas grand chose à faire parce que c'est tellement grand. C'est littéralement la map mais x2. Parce que en vrai dans les heures il n'y a pas non plus 20 000 trucs. Mais sous le sol, c'est la map. Ah non, il n'y en a pas d'autres. Hein. Mais ouais, c'est littéralement la map.
C'est pour ça, c'est... J'espère qu'il n'y a pas trop de trucs à faire, sinon c'est trop. Eh bien, merci du well played. Eh ben écoute, sur ce YouTube, merci d'avoir regardé, c'est la fin pour Zelda Totk pour aujourd'hui. On va partir sur Mario World sur Twitch, mais avant ça, je vais juste prendre à peine 2 minutes pour aller aux toilettes et chercher un paquet de PQ parce que bah j'ai plus de quoi me moucher avec. Mais voilà. Allez, merci et à tout de suite.